Was besonders faszinierend war, ist einfach, dass das Ganze von unten ausging. Es war nicht durch die ÖH zum Beispiel organisiert. Ce qui est spécialement fascinant, c'est que ça vient du bas, ça vient des étudiants, ça n'a pas été organisé par le syndicat des étudiants, mais ça vient de la volonté de quelques étudiants proclamant en avoir assez et ne pouvant plus continuer ainsi. Et cela s'est développé en un système de groupe de travail qui est en train de s'établir. On est au troisième jour de l'occupation de l'Audimax de l'Université de Vienne et les gens commencent à offrir leur savoir-faire pour soutenir ce mouvement individuellement. C'est extrêmement intéressant. Il y a 16 à 17 groupes de travail, 30 groupes de travail. Et donc ces groupes de travail s'occupent de tous les thèmes possibles, aussi bien de l'auto-organisation de la vie sur place, nous dormons ici, nous mangeons ici, nous vivons ici, que des questions internes, les exigences, les thèmes comme le racisme, des thèmes qui paraissent importants et où nous pensons qu'il doit y avoir des groupes de travail à leur propos. Je crois que ce qui est important, c'est que les groupes de travail soient ici l'élément central. Là où les discussions et décisions ont lieu de manière réellement démocratique, c'est dans les groupes de travail. On a des plénums avec 1500 personnes, je dis bien 1500 personnes minimum chaque jour, qui discutent des choses ensemble. Mais les groupes de travail sont les vraies instances de décision où chacun peut s'organiser. Et les thèmes qui lui sont importants peuvent être discutés en détail, et les rapports des groupes de travail allègent le travail lors des plénums alors. Tout le monde a le droit de prendre la parole au plénum lorsque des décisions doivent être prises. Chacun a le droit de donner un avis contraire. Et c'est justement ça que je trouve intéressant, que nous réussissions tout de même à prendre des décisions, que notre autogestion fonctionne aussi bien. Dass wir trotzdem zu Entscheidungen kommen, dass diese Selbstorganisation so gut funktioniert inzwischen. Julia, Wer ist für diesen Reitvorschlag? Erzähl uns doch mal, warum du denkst, dass das hier etwas Besonderes ist. Raconte-nous, pourquoi tu penses que c'est quelque chose de particulier et pourquoi tu penses que comparé à d'autres protestations, celle-ci fonctionne aussi bien. Pour ce qui est du succès, c'est encore à voir. Mais pourquoi cela fonctionne si bien? C'est parce qu'il y a une hiérarchie horizontale. Il n'y a pas de centre organisationnel comme auparavant avec le syndicat des étudiants. Celui-ci pouvait peut-être organiser des choses plus rapidement. Lorsqu'il y a une organisation hiérarchique, on peut organiser les choses plus rapidement, mais c'est en même temps problématique. Et plus l'organisation est plate, comme ici, plus il est facile d'agir, parce que tous les nœuds qui travaillent dans le réseau le renforcent, sont des ressources, des collecteurs de fonds, dans le sens où ils propagent ce qui est nécessaire et qu'ils prennent en charge des tâches. Par exemple, si quelqu'un poste sur Twitter quelque chose dont on a besoin, des centaines ou des milliers de personnes, on ne sait pas vraiment, répondent de chez eux à la demande sans devoir attendre l'autorisation de qui que ce soit. Ça veut dire que l'on peut acquérir relativement vite pas mal de ressources, mettre pas mal d'idées sur pied. Il y a une énorme densité d'échanges d'informations et il n'y a pas d'organisation frein parce que ça ne doit pas être filtré hiérarchiquement. Les informations les plus importantes se trouvent sur le site internet qui a été créé par cette équipe qui travaille avec assiduité ici, et aussi par Luca Hammer, que je me dois de mentionner spécialement. On le trouve à l'adresse www.unsereuni.at. On y trouve toutes les infos importantes et les nouveautés. Le site internet semble très apprécié par les internautes. Pendant ces dernières, je crois, 15 heures, il a été utilisé par plus de 10 000 unique users, des personnes ayant accès au site, ce qui est un nombre phénoménal. Notre groupe sur Facebook est aussi important. Il s'appelle
Occupation de l'Audimax quelque chose. On trouve d'autres infos importantes sur Twitter. Et si on ne sait pas comment ça fonctionne, eh bien, c'est le moment d'apprendre. C'est un moyen extraordinaire de communiquer en direct. Notre page Twitter peut être trouvée sous Unsere Uni et sous Audimax. Et il me faut aussi mentionner le live stream qui se trouve aussi sur notre site web, mais aussi sur un site de live stream dont le nom ne me vient pas à l'esprit. Ustream, exactement. Là aussi, nous avons quelques milliers d'utilisateurs, ce qui est considérable. Il y a de la place pour environ 500 personnes dans l'Audimax, et il y avait un bon millier de gens dedans pendant la journée. Il y a eu environ 27 000 personnes qui ont regardé le live stream. Donc, on fait déjà concurrence à l'ORF. Sinon, ici, on trouve pas mal d'infos, des flyers. Les gens sont en train de faire une page Wikipédia, donc respect. Et on nous trouve partout.